après avoir fait une première partie de giveaway sur les fruits de dragon pour donner aux abonnés, certains ont dit qu'on a donné à des gens random et qu'on ne devrait pas faire ceci. Donc, dans cette deuxième partie, on a décidé de donner que aux abonnés et qui soutiennent surtout Tunostre. Donc aujourd'hui, on va recevoir des dragons de la part d'Eva. Sans tarder, on va d'abord aller récupérer les fruits de dragon parce que c'est Eva qui va me les passer vu qu'elle en a plusieurs. Ok, alors on va s'asseoir ici. Let's go. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? En fait, je ne peux rien mettre, en fait. Waouh. Oh, franchement, elle a mis des trucs, mais moi, je peux rien mettre. Ah ouais, j'avais pas mammouth perle. Quoi? Au moins, une bonne nouvelle, j'aurai un mammouth perle. On va retrader encore. Et les deux gris. Oh, love permanent. J'attends juste qu'elle appuie sur accepter pour que j'accepte. C'est pas comme si je suis en train de me faire scam. C'est bon, on a enfin reçu les nouveaux fruits pour la partie 2. Alors on a reçu 4 dragons et 2 kitsunes. Après il y a aussi des autres fruits, comme par exemple un léopard qu'on va donner, des dougs, des mammouths. Tout ça pour faire plaisir à la communauté et à tous ceux qui soutiennent Tunostre. À présent, la première des choses qu'on va faire, on va d'abord aller dans le serveur Discord et on va mettre une annonce comme quoi... Vu que vous avez été nombreux à me demander des dragons, une partie 2 de la vidéo sera réalisée demain vers la journée. J'irai en serveur public et je donnerai tous ceux qui auront leur nom. TW puis votre nom Roblox, sauf que je donnerai une personne par serveur. Et puis je changerai de serveur. On va aller en serveur public et tous ceux qui vont nous rejoindre, enfin, toute personne qui me rejoindra et qui aura son nom TW, tiré du bas avec son nom, voilà, on va lui donner un truc. Pour tous ceux qui veulent savoir comment ils pourront faire pour me rejoindre lorsque je joue en serveur public, une fois que vous êtes sur mon profil Roblox, je ne parle pas du skin blanc Tunost, l'ancien, non, je parle de ce nouveau compte que j'utilise actuellement. Étant donné que je ne joue plus à Blockfree sur l'ancien compte, ben je joue sur ce compte-là, sub to Tunost. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur le Tunost à l'ancienne, mais il faut aller sur le sub to Tunost, mon nouveau compte que j'utilise avec le skin rouge et tous les trucs. Donc vous allez juste sur les 3 petits points, vous mettez follow, et là vous allez actualiser votre page. Et si je suis en train de jouer en serveur public, vous allez réussir à me rejoindre. Mais si je suis dans un serveur privé, ça sera marqué que vous ne pouvez pas rejoindre cette personne. Mais avant d'aller dans les serveurs publics, je tenais juste à vous dire que les membres de ma chaîne YouTube et les boosters de mon serveur Discord, ce sont les personnes les plus privilégiées. Pour faire partie des membres de la chaîne, il ne suffit pas juste de s'abonner. S'abonner, oui, ça fait partie des followers. Mais en gros, quand vous allez appuyer sur rejoindre, donc du coup ici, il y a 2 classements. Et ces 2 classements-là, ils ont des trucs différents. Ici, la seconde classe, il permet déjà d'avoir un serveur privé, voilà, de Blowscreen. En gros, c'est mon serveur privé. Et un rôle spécial dans serveur Discord, ainsi que m'avoir un ami sur Discord. Comme certaines me spam qui veulent m'avoir un ami sur Discord, voici l'opportunité. Mais la première classe, c'est la meilleure, car ça vous permettra de m'avoir un ami sur Roblox et Discord, et aussi avoir un avant-premier des vidéos, mais aussi à collaborer sur les vidéos. Et le rôle spécial dans le serveur Discord, Celestial Member. Ainsi que des giveaways spécialisés que pour les membres. Je voulais juste vous montrer comment faire pour devenir membre de la chaîne YouTube, parce que certains m'ont posé la question et ils m'ont dit aussi qu'ils voulaient que je le montre dans une vidéo. À présent, on va aller en serveur public, parce que je crois qu'on est prêt. J'espère juste que ça va pas être un carnage. Allez, on va rentrer dans le serveur, on n'est même pas encore posé. Aïe aïe, je viens à peine de rentrer dans le serveur public que c'est devenu vraiment... problématique. Enfin, pas problématique, mais il y a déjà trop de monde. Donc du coup, je vais juste aller m'asseoir et le premier qui s'assiera, il aura un fruit. Le gars là, qui l'a dit, il est booster. En plus, je sais vraiment qu'il est booster ce gars-là. Lui là, il est booster. Donc, on va d'abord prioriser les boosters parce que les boosters, ils font partie de la communauté Discord qui sont les plus priorités et les plus privilégiés. Il y a qu'aux boosters et aux membres de ma chaîne que je les ai dit à quel moment précis que j'allais venir dans le serveur Discord. Alors, on va s'asseoir avec le booster. Il est où le booster? Il est où le booster? Il est où? Mais il est où? Il est où? Allez, que le booster reste à soi. Ok, là on est avec le booster. Qu'est-ce qu'on lui met? Qu'est-ce qu'on lui met? Attends, on va regarder tout ça. J'espère vraiment qu'il a pas de dragon. Oh. Ok, let's go. Let's go. Ok, le premier trade a été réalisé. Ah, il y a des petits fruits ici. Ouh, j'ai trouvé des petites barrières. On va les store. Une menace a été détectée. Bon, à présent, on va changer de serveur. On va aller s'asseoir ici. Let's go, let's go. Oh, je vais m'asseoir ici. Le premier qui s'assoit, c'est qui? Et ok. En vrai de vrai, je pense que je vais lui mettre un fruit de Kitsune. Quoi? Ouais, on lui met un Kitsune. Si ça passe pas, on lui mettra un dragon. Ou un léopard. Kitsune,
On lui met un Keptune, il a mis Blizzard, il a mis Pain, il a mis... Ok, let's go. Let's go. Thomas, il a eu trop de la chance, Isa. Hein. Franchement, je pense que ça s'appelle Ista. Vu qu'il y a deux S, en fait. Il est grand temps pour moi de changer de serveur. Voilà, merci. Merci de laisser la place aux priorités. Le Sploto SD. On va lui donner quoi? On va lui donner... Un dragon. Je vais me faire littéralement Sky. Le fruit de T-Rex. Wow, quelqu'un a failli me téléporter là. Qu'est-ce que je vais mettre en vrai? Allez, Kitsu. Ça a mis le fruit de Pain, Phoenix, Ghost. Le fruit de barrière. Wesh. Allez, remettez le fruit de Ghost. De toute façon, je me fais Skyme là. Là, je donne le fruit le plus cher en plus. Wesh. A few moments later. En plus, ça écrit même pas merci. Je dis ça, je dis rien. C'était vraiment très intéressant. Oh non, jure, il va le manger. Oh, wesh, ça mange ça directement là, genre cash. Twinost, est-ce que je peux rage ton crew, s'il te plaît? Ouais, cela m'arrive souvent que les gens me demandent toujours s'ils peuvent me rejoindre dans ma crew. Mais comme vous pouvez le remarquer, c'est Eva qui est le owner de ma crew. Sinon, avait un skill. Celui qui gagne, je lui donne un dragon. Ok, ok. Je vais 1v1 Los Potos déjà, parce que là, là y a personne qui vient 1v1, ça devient un peu le bazar. Du coup, j'ai proposé à celui qui avait gagné tout à l'heure de venir 1v1. On va voir. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, then you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No one's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Waouh, c'était pas mal. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vient de récupérer nos 30 millions de bounty, voilà. Par contre, étant donné que Gaklem, il fait partie de mes membres, lui, il a le droit de choisir ce qu'il veut. Vas-y, Gaklem. Vous avez choisi un dragon, normalement, si je me souviens bien. Mettez tout ce que vous voulez. J'attends que vous acceptez. Il va accepter? Oui, il a accepté. Parfait. Ça fait partie des avantages de devenir membre de la chaîne. On est toujours priorité. Et on est toujours privilégié quand même. Bon, nous voilà de retour en serveur public. À peine qu'on vient d'arriver, je vous ai déjà vu un chanceux qui vient d'arriver. Il s'appelle TW le chanceux. Est-ce qu'il y a de la place pour s'asseoir? Non. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Damn! Oui, c'est le chanceux. Vraiment, vous êtes chanceux, il a de la chance, oui. En vrai de vrai, on va lui mettre un fruit de bug. Ok, let's go, let's go, let's go. Déjà 5 sur 5. Oh shit, j'avais pas remarqué, mais je viens de passer les 5 sur 5 dans les trading en fait. Étant donné que je ne peux plus faire des trades sur mon compte, vu que j'ai déjà trade 5 fois, bah, je me suis connecté sur le compte de Eva. Donc ici, on pourra encore trade tout ça. On a 10 kitsunes, on a 15 léopards, 15 spirits, un dragon, 15 contrôles, enfin on a tout ça, 15 fois qu'on pourra tout trade. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a des free perm, enfin un free perm, parce qu'elle m'a trade 2 free perm dès le début de la vidéo, comme vous l'avez remarqué. Donc ici on a 2 kitsunes perm, dans laquelle je les avais réservés pour mes membres YouTube. Par contre, je me demande vraiment comment je vais faire pour pouvoir trade tous ces trucs là en fait, parce que étant donné qu'elle les a 15 fois, ça va être un peu difficile de pouvoir les trade. En vrai, tu peux mettre ce que tu veux. Je vais te mettre déjà un Kitsune Perm. Mais attends, là tu commences à exagérer là. Oh shit, vraiment, genre je trade quelqu'un qui était... Wesh, pourquoi j'ai sauté là-bas moi? Je trade quelqu'un qui avait le fruit de Kitsune. En gros, ça veut dire que si tu perds le fruit de Kitsune, ben, tu l'auras à vie quoi. Ça c'est les avantages d'être membre de la chaîne. Toutes les personnes qui vont devenir membres de la chaîne, vraiment, ils vont se faire régaler. Il y a un fruit qui vient de apparaître, il est à 400 mètres de nous. Oh oh, il est vers ici, il est vers ici. C'est quoi? Oh mon dieu, c'est le fruit de Smoke. Je m'attendais à un truc qui est bien. Bon, on va le donner à une aube. Vas-y, toi, tiens. Tiens, cadeau. Allez, tiens, cadeau, je t'ai dit.
tiens, prends et mange. Bien joué. Voilà, voilà, bien joué. Bon, on lui a déjà dit que les mobs, il ne peut pas le toucher. Donc, ça va lui permettre grave de farm rapidement. Alors, on va s'asseoir ici. Le premier qui s'appelle... Wesh, j'ai même pas fini ma phrase. Oh, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Wesh. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Kitsune. Il a mis léopard, on lui met Kitsune. Let's go. Ah, la dinguerie. Tout à l'heure, j'ai perdu un fruit de léopard. Je l'ai donné aux membres YouTube. On va prendre que des gens qui font partie de la communauté Tunos, qui ont mis leur nom TW. Il y a un gars là qui s'appelle TW Evenator. En plus, lui, il m'a grave aidé pour farm un accessoire qui me permet de pouvoir réparer les bateaux. On va lui donner Kitsune, on va lui passer Kitsune. En vrai. J'arrive pas à m'asseoir. Je traverse dessus. Attends, ça a bugué. Ok, let's go. TW fraise. J'ai que magma. Il a dit il a que magma. Alors, s'il a que magma, attendez. En vrai, je pense que si je lui donne un Bouddha, ça va. Eh, ça passe largement. Je vais changer de serveur encore. Ok, ça fait déjà plus de 3 minutes que j'attends là. Il y a personne qui vient d'arriver dans le serveur. Il commence à venir. Il y a un gars là qui s'appelle TW Trayon. Ok. Il y a un gars qui vient de rejoindre. Bon, enfin, un gars il vient de s'asseoir. Il s'appelle TW M Rock. Le 3 millions. Ah bah, le chanceux. On va lui donner un fou de Doug. Ok, let's go. Bon, bah là, on vient d'arriver à 5 sur 5. Aujourd'hui, il faut croire quand même que c'est la première fois que je donne autant de fruits à trop de monde. À présent, on se trouve vers la fin de cette vidéo. Et donc, du coup, si cette vidéo atteint au minimum les 500 likes, bah, on verra si on va faire une partie 3. Bien, il est grand temps pour moi de prendre la large. Vas-y, let's go. Extension du territoire.